Bonjour, je suis Stéphane Degout, baryton, lauréat des Voix Nouvelles 98. Ce dont je me souviens très bien, c'est de l'atmosphère qu'il y avait à la finale régionale, les différents tours qu'on a passés à Lyon, au Conservatoire, les éliminatoires, la finale régionale à Saint-Étienne et la finale ici à l'Opéra Comique. Je me souviens très très bien de l'ambiance qu'il y avait dans le foyer qui est à côté du plateau à l'Opéra Comique, qui était à la fois une sorte d'excitation où tout le monde se regardait un peu, personne ne se connaissait, et en même temps où on était investi pour soi-même, parce que c'est quand même un concours, il ne faut pas oublier, mais aussi pour les autres, et on avait l'esprit déjà de se dire waouh, celui-là c'est pas mal, celle-ci c'est vachement bien, etc. J'ai participé à la finale régionale de Saint-Étienne, donc la région Rhône-Alpes en fait, les éliminatoires étant à Lyon, Conservatoire. À la finale du concours, j'ai chanté l'air de Zourga dans Les Pêcheurs de Perles et je ne l'ai jamais rechanté depuis. L'année 98, c'est une année un peu spéciale pour moi et pour le début de ma carrière, et donc naturellement, les Voix Nouvelles en font partie. Il s'est passé plein de choses cette année-là. Le concours des Voix Nouvelles en février, une audition très importante pour l'Académie d'Aix-en-Provence en mai, et j'ai fait l'Académie l'été suivant, en juillet, et une autre audition extrêmement importante qui était celle de l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Lyon, que j'ai intégré à partir de septembre 98. Ces trois choses dans cette année ont été, je crois, extrêmement. Enfin, ont bâti un socle de mes études, de ma carrière.